Par une douce soirée d'été, Roubarbe, repue d'un bon dîner, rêvassait au beau jour des années folles que ses parents lui avaient contées, quand il remarqua les animaux du jardin plongés dans des bandes dessinées. Ah, le bon temps. Fini les soirées au clair de lune, quand l'air était rempli d'accords de valse et de senteurs de jasmin, soupira Roubarbe. Bonsoir. Cher monsieur, je me présente, Renaud Dupont Foxtrot. Roubarbe, dit Roubarbe. Gaspard leva le nez de sa lecture, mais le visiteur ne lui sembla pas digne d'intérêt. Je cherche des couples de danseurs, dit Renaud. Il y aura un grand bal samedi, et nous offrirons un voyage de pêche au couple qui gagnera le concours. À ces mots, Gaspard pointa les oreilles, roula des yeux intéressés et valsa vers le renard. Bonsoir, monsieur, dit Gaspard d'un ton mielleux, s'y croyant déjà. Avez-vous parlé d'un voyage de pêche? C'est bien cela, monsieur. Oh, je vois des poissons. Oh, quelle horreur! Non, merci, très peu pour moi, dit Gaspard. Le renard remercia Roubarbe de sa courtoisie en souhaitant le revoir au bal. Dit Gaspard d'un ton amical. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller au bal, mais je peux t'apprendre une nouvelle danse qui a toutes les chances de gagner. Il fallut à Roubarbe une demi-journée avant de maîtriser le nouveau pas de Gaspard qui lui avait enseigné la danse la plus grotesque et la plus empotée qui soit. Mais Roubarbe avait toute confiance. Il remercia Gaspard et courut inviter Lily Princesse à l'accompagner au grand bal. Entre-temps, un Gaspard sournois déguerpissait par la ruelle et se rendait chez Bonita l'Amour, sa petite amie. Crois-moi, Bonita chérie, pour nous, c'est du tout cuit, gloussa Gaspard. Le soir du gala, les animaux se pressèrent à la clairière de la vallée des renards, que la lune éclairait de tous ses feux. C'était une soirée de rêve. On donna un numéro à chaque couple de danseurs, qui évoluèrent tour à tour sur la piste à l'appel de Renaud Dupont Foxtrot. Comme sur un nuage, Gaspard et Bonita l'Amour virevoltèrent avec tant de grâce qu'ils en gagnèrent d'emblée la faveur des juges et les applaudissements du public. Et Roubarbe et Princesse d'entamer leur danse endiablée quand Renaud appela le numéro 25. Sûr de sa victoire, Gaspard fit un clin d'œil à Bonita quand soudain le public se passionna pour la danse étrange de Roubarbe et l'encouragea. Quel rythme amusant! Et quel triomphe pour Roubarbe et Princesse quand Renaud leur donna 47 points, leur assurant la victoire haut la patte. Rigolo! Grinça Gaspard qui verdissait d'envie. Bonita l'Amour se défila. Roubarbe était lui rose de joie quand Princesse reçut le grand prix. Tant pis pour Gaspard si son tour a fini en queue de poisson,